rencontre de deux États. On peut dire que c'est une visite d'État dans le sens politique. C'est une visite avec des caractéristiques officielles, politiques, dans le sens le plus noble et le plus large du terme, ou du terme politique. La visite recueille deux symboles importants. L'un, c'est la rencontre, il y a 800 ans, de François d'Assise avec le sultan al-Malik en Égypte. Et après 800 ans, un autre François, pas d'Assise mais de Rome, rencontre le sultan du Maroc, le roi du Maroc. Ça, c'est un symbole du dialogue interreligieux. Un autre symbole vient exprimer par serviteur d'espérance. Nous voulons exprimer avec cette devise que le pape vient pour nous rendre le service de remplir notre cœur, nos cœurs, pour l'espérance d'un monde meilleur. Et que l'islam et le christianisme doivent agir ensemble pour réussir à faire un monde meilleur, au Maroc et dans le monde entier. Il y a aussi les logos. Vous voyez qu'il y a les croissants rouges et il y a la croix avec les couleurs du Maroc, vert et rouge. Et il y a aussi, manque un peu les blancs dans cette présentation, les jaunes et les blancs. C'est le Maroc et le Vatican, l'islam et le christianisme. Je pense que c'est le symbole de ce que nous voulons faire ici au Maroc. Être une église de la rencontre, être une église de dialogue et vivre en paix et en fraternité avec tous les Marocains et avec le monde entier. Je pense que la dimension chrétienne, c'est aussi une partie, même si petite, de la marocanité. Et ça, nous voulons le montrer avec notre esprit de service au peuple marocain, particulièrement le plus démuni. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتي بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هيث بريس.